Allez, c'est parti. Ce qui n'est, à notre avis, pas négligeable pour le respect de ce site naturel des bassins du Doubs. Doubs est une rivière très capricieuse. En effet, son niveau peut varier selon les conditions météorologiques. Par exemple, lors de belles journées ensoleillées comme aujourd'hui, son niveau peut baisser de 15 cm en une journée, soit plus d'un mètre en une semaine. Dans certains cas, la partie où nous naviguons actuellement peut être totalement asséchée et nous sommes alors obligés de décaler nos bateaux un peu plus loin sur le lac. Chaison, c'est cette partie de Villers-le-Lac que vous retrouvez sur votre gauche et on appelle également cette partie le lac des Brenets. En effet, les Brenets et ce village, que vous retrouvez à l'avant-droit du bateau. La maison vitrée, plein sud, piscine couverte sur la terrasse, pas mal. Hein. Ils sont belles les maisons. Et t'as vu, regarde aussi là, tu vois cette petite maison suisse là. Comme c'est beau. Le coin le plus beau et le plus pittoresque de cette croisière. C'est d'ailleurs durant ce passage dans les gorges que je vais vous montrer quelques curiosités de la nature que l'on peut retrouver, à commencer par un sapin à la tête à l'envers. Ouais, le sapin qui pousse à l'envers. Ah, les gorges du Doubs, superbe. Ah ouais, ça déchire. Tu vois le sapin qui pousse à l'envers, là ? Ouais. À côté du drapeau, qui descend vers le... Alors on ne peut s'aventurer que sur une cinquantaine de kilomètres et elle est gardée en son entrée par son gardien, cet ours. Ou plutôt cette statue d'ours en bois tenant dans ses pattes un poisson. C'est d'ailleurs pour cela que les habitants de la région l'appellent également la grotte de l'ours. Excellent. 50 kilomètres à faire. Waouh. Ah bah il est là le sapin qui pousse à l'envers, hein, d'accord. Il a une tête. Non. Il dirait une tête de l'huile de Pâques. Ouais. Ah ça j'ai envie de la prendre en photo, ça va être... C'est vrai que c'est beau. Magnifique. Voilà, ça sert à ça les vacances. Aller voir d'autres paysages. Là, c'est une cascade. Hein. Tout simplement. Bah non, mais finalement on est bien ici. C'est de ce côté-là qu'il fallait bien. Je croyais qu'en fait le saut du Doubs c'était de notre côté, mais c'est de l'autre côté en fait. C'est beau, hein. Enfin, c'est le paysage aussi qui est... Ouais, nous on habite à la mer, donc on est content de venir à la montagne. Ça coule aussi, là. Oh, la belle vidéo. Wow.
Ça va, Jeanne? Allez, bon bah salut, le saut du Doubs, c'est reparti avec le capitaine et son matelot. C'est comment vos prénoms ? Antoine et Julien. Salut Antoine, salut Julien. Bonjour à tous. Ah, c'est une belle promenade. Ah, c'est magnifique. Ce qui est sympa, c'est que la compagnie des bateaux, quand on arrive en camping-car, eh ben, on peut se parquer sur le parking de la compagnie des bateaux. Il y a tout pour vidanger, pour remettre de l'eau, tout ça. Puis bah on échange, il faut bah en fait on fait la balade quoi. Ouais, pas forcément. Ou pas forcément. Non, non, on accueille, on fait R2 camping car, donc même si vous ne prenez pas le bateau, vous pouvez quand même stationner la nuit ou deux nuits. Ouais, voilà. Voilà, une ou deux nuits, ouais. Ben, là, notre compagnie depuis 1998, elle a modifié le système de propulsion des bateaux et on est passé en propulsion hybride électro-solaire. Comme actuellement, vous voyez, on navigue autour des 9 km/h en 100% électrique, ce qui amène encore plus d'agréabilité. Ah, il n'y a pas de bruit. Il n'y a quasiment aucun bruit et en tout cas pas de dégagement d'émissions de CO2 ouais. sur ces trajets. Et c'est vrai que c'est un gros plus pour observer cette partie des bassins du Doubs. Super. Et qui les fabrique, ces bateaux ? Alors, on est également chantier naval, nous, à Villeneuve. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Vous avez dû voir sur le parking, il y en a un en chantier actuellement. Donc, on fabrique des bateaux pour toute la France. Ceux-ci ont été fabriqués aussi à Villeneuve-le-Lac. D'accord. Et ce chantier naval, il est spécialisé dans la propulsion, justement, électrique, avec panneaux solaires, ou sans, ou hybride, comme celui-ci. Ah oui, celui-là est hybride, il marche au gasoil celui-là aussi. Celui-là est hybride, vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, oui, tout à l'heure, une oui. partie 50-50, diesel électrique, ouais. Et cette partie-là des gorges où on fait en 100% électrique pour vraiment apprécier le paysage. Ah ouais, c'est magnifique. On entend les oiseaux. Ah ouais, c'est ça. Quoi. Non, c'est quand c'est on est cool. Là-haut, là. Ah oui, on est seul au monde. Alors là, tout à l'heure, à l'aller, j'ai oublié ton prénom. Antoine nous expliquait que en fait les Suisses ont mis des arbres dans l'eau là, je ne sais pas si on les voit. Ils les ont coupés et ils les ont laissés tremper dans l'eau. Voilà, c'est pour favoriser la reproduction des poissons. Comme ça ils viennent pondre dans les branchages, voilà. Assez intéressant comme initiative. Ouais, super. Et voilà, la croisière est terminée. Bon ben merci capitaine, merci et puis bonne fin d'été alors. Et bonnes vacances à vous. Merci, allez ciao. Au revoir.